budget stop, qui n'arrive là qui tout le monde lève la voix ensemble, qui n'arrive là qui tout le monde vit ensemble, animal welfare together et noiret saban atrocité. Nous pas là pour dire au gouvernement non, nous on vient te faire MSO. Non, nous on vient nous travailler ensemble pour apporter l'éducation à tout ben dimoun qui est là un toutou que d'autres. Nous, ce qu'ils ont envie, c'est éduquer les propriétaires parce qu'ils nous trouvaient jusqu'à présent qui s'en appellent les pots cassés, c'est les chiens. Bien sûr qu'ils bisent une fence autour de la cour, mais pas tout le monde qui fait ça. Et n'a dit monde pas fait ça, n'a dit monde c'était une fence de ouvrir la porte là de dire les chiens, ben allez al déo, al fait ce qui te n'a pour faire. Les propriétaires qui pensaient qu'ils demain à soir, moi besoin log, moi dit chien pour amener le chemin, pour avoir le chemin pour y faire ce besoin, moi pas besoin stériliser parce qu'ils m'ont envie qu'il y breed, qu'il y gagne un petit, qui après moi pas pour connaître qu'ils m'ont pour faire ça, ou moi pas prendre les soins, mon gagne puppy, il grandit, à ce là il est trop gros, mon gagne bébé, moi pas connaître qu'ils m'ont pour faire lui, alors moi log, le chemin, moi laisser al faire ce qui y en. C'est pas une campagne, un village, une cité, surtout les cités. Si vous êtes aujourd'hui, la plupart des chiens qui peuvent traîner, allons dire pas tous, c'est une cité. Catch and kill, jamais une solution. Il n'y a pas pour une solution et il n'y a pas pour moi. Bien sûr, ça fait partie d'une campagne, mais en dernier lieu. Quand PNNN, qui vous fait, c'est après l'éducation, stérilisation. Nous trouvons un owner qui peut prendre soin de ce chien encore. C'est là qu'il nous peut catch, pas kill, peut-être rehome le chien ou mettre-le dans un centre comme un MSO qui peut prendre les soins, qui apprennent du monde venir pour adopter lui. Si le chien n'est pas bien en lui-même, c'est-à-dire qu'il est malade, il nous connaît qui ça capable d'affecter les autres chiens, peut-être là nous pouvons cause tuer. Mais là aussi, tu y es comment? Tu y es d'une façon humaine. La première action que nous devons prendre, c'est nous devons faire la marche dimanche le 28, qui pour débuter vis-à-vis de l'église Saint-Jean, et pour terminer à Plaza. Le départ, c'est à 10h30 et arriver à midi à Plaza. Depuis 40 ans, XMS spécial qui est maintenant MSO, pratique le catch and kill. Et maintenant, en 2015, nous avons coupé cause de problème et nous avons cause de problème plus belle envergure. Nous ne sommes pas against le gouvernement, nous ne sommes pas la guerre contre le gouvernement. Nous ne sommes pas là pour faire même ça. Au contraire, nous sommes là pour réouvrir les, pour vraiment lui faire ce travail qu'il est supposé faire pour animal welfare. Pena, aucun short-term solution pour combattre les chiens errants. Et ça ne pouvait pas passer sans Maurice à travers le monde. La solution, c'est une long-term solution. C'est l'éducation et stérilisation. Quand nous disons stérilisation, ce n'est pas stériliser 10-20 chiens dans chaque endroit. Nous causons masse stérilisation que. Si tu as une population de 100 chiens, tu as besoin minimum de stériliser 70%. Mais jusqu'à maintenant, pas de finir dans ma stérilisation dans Maurice. En 2014, je crois que HSI a fait une survey à Maurice. Nous avons trouvé qu'il y a une population de à peu près de 250 000 à Maurice. Mais hier dans la gazette, nous trouvons depuis 2012, nous avons stérilisé 8 000 chiens. Et ce qu'ils nous appellent ça, masse stérilisation. 8 000 chiens, pas fait 70%. Le gouvernement peut dépenser casse le catch and kill 400 roupies par chien par jour, côté de mettre ça à plus le côté stérilisation. Mais il n'arrive là pour nous dire au gouvernement comprendre le système, comment on est supposé faire le travail, et pour qu'on dise même nous tirer à étiquette de mauvais animal welfare de Maurice. Nous believe que nous devons faire le catch nature and release. Nous stérilisons, nous ramassons les chiens là, en place nous stérilisons, nous relogons. Et il arrive là. Pour commencer à punir un propriétaire qui ne prend pas en responsabilité des autres chiens, sinon il gaspillage, nous fait l'éducation. Ça, cinq solutions qui nous propose le gouvernement, c'est un contrôle de population humainement. Nous parlons de catch and kill, par piquer, comment façon qu'ils peuvent procéder pour le moment. Nous faisons bien comment ils supposaient faire, tu anesthésies les chiens là avant, après là tu fais les. Et plus important, tu fais les par une vétérinaire, pas une du monde qui ne traîne pas une vétérinaire. La loi stipule bien qu'il est besoin de faire par un vétérinaire. Deuxième affaire, nous pouvons demander au gouvernement de mettre un système en place que MSO, ce council, il est besoin d'animal welfare people, animal lovers. Il est besoin d'involver NGO, animal lovers qui est intéressé pour aider MSO pour revivre. Troisième affaire, nous voulons que le gouvernement travaille ensemble avec MSO et NGOs pour amener une vraie solution. Quatrième affaire, il est besoin de plus de transparence dans MSO sur mon activité. C'est le gouvernement qui fait ça l'organisation. Nous avons le droit de connaître que cela peut aller, qui peut faire cela. Si vous êtes dans un gouvernement, peut donner
MSO, 400 roupies par lichien qui l'ont tué. Et en 2011, tu peux bien figurer 11 000 lichiens qui l'ont tué. 11 000 fois 400, comment faire? Quand ça casse là, puis aller. Qui fait que je prends casse là, je peux remettre ça dans MSO pour faire une campagne d'éducation et stérilisation. Et cinquième, nous, les gouvernements, implémentent Animal Welfare Act, comment les bisons implémentés, respectez-les à la lettre. Tout ce qui est dans Animal Welfare Act. Là. Ça, c'est un point qui nous peut envoyer une lettre à Premier ministre, M. Dayal, M. Siratan et Xavier Duval.